Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment s'inscrire en tant que contributeur sur Shutterstock. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shutterstock a plusieurs plateformes. D'abord, une plateforme, la plateforme principale standard que l'on connaît, où Shutterstock vend les photos, où les clients viennent acheter. Et il y a aussi une autre plateforme qui est la plateforme des contributeurs. Et naturellement, la plateforme principale et la plateforme des contributeurs ont des adresses différentes. L'adresse principale de Shutterstock, c'est shutterstock.com. Et pour les contributeurs, c'est submit.shutterstock.com, celle-là. Donc, une fois qu'on est sur la plateforme contributeur, l'inscription est simple. La première étape, c'est de mettre un nom d'utilisateur, l'adresse email et de créer son mot de passe. Après validation, confirmation par email, voilà, le compte est créé. Donc, la deuxième étape, c'est de mettre les adresses, son adresse postale, son adresse de facturation, etc. Et ça, c'est pour le cas où Shutterstock va t'envoyer ton argent. Et une fois fini, paf, le compte est créé et on peut commencer à poster des photos. Et ce qui est intéressant avec Shutterstock, justement, c'est que Shutterstock accepte ou rejette des photos. Parce qu'il a, il a ses normes, ses trucs, etc. Il te dit tout le temps. Et là, pour poster une photo, donc premier exemple, on va partir sur une photo que je sais qui a été rejetée. Et à partir de là, en fait, ça va nous servir d'exemple pour voir les raisons des rejets. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, je vous mets en description un lien de parrainage parce que moi, je suis déjà sur Shutterstock depuis pas mal de temps et je peux parrainer certaines personnes. Et quand vous vous inscrivez à partir de ce lien, surtout, n'oubliez pas de lire les conditions d'utilisation. Voilà, c'est tout. Hein. Postez, allez-y, postez et testez avec Shutterstock et vous allez voir le rendu que ça va donner. Certaines photos vont être rejetées, d'autres vont être acceptées et vous verrez en fait le pricing, le sharing, etc. Voilà, en espérant que cela a été utile, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et sur cela, eh ben, salam jampé.